9, les qualifs se sont plutôt mal passés, je découvrais la piste et en plus j'avais un quart en panne, mais j'étais pas vraiment le seul apparemment, donc je pars 7ème du groupe B, et il se trouve que là, j'ai chopé peut-être le quart le plus puissant du plateau, en 50 mètres j'arrive à gagner 3-4 positions, je me retrouve donc déjà 4ème derrière Elwan, Godwin et Dorian qui est parti devant, Dorian aussi qui a pêché un très bon kart. Et là, on va voir direct à quel point il y a une différence énorme de moteur. J'efface Elwan facilement et je me retrouve presque à pousser Godwin. Donc, c'était un peu l'une des caractéristiques de la matinée, c'est-à-dire pas mal de cartes quand même, moitié en carafe, et avec donc d'énormes écarts entre les 2-3 qui marchaient bien et puis les autres. D'ailleurs, là, on voit que j'ai largement sous-estimé la vitesse d'entrée en virage, j'arrivais à passer à fond pendant les qualifs avec mon kart malade, mais non, là, pas question. Donc, Godwin a pu repasser, et puis là, c'est Nicolas. À ce moment-là, je fais encore pas mal de fautes, parce que j'ai qu'une douzaine de tours de ce circuit dans les pattes, mais c'est pas très grave, le différentiel de puissance est tel que je peux me permettre des petites erreurs. Les images se passent de commentaires. À ce niveau-là, c'est quasiment de la triche. Comme Dorian a aussi un kart rapide, je vais mettre un certain nombre de tours à le rattraper. Là on est au 7ème tour et il fait une erreur, ce qui me permet de revenir directement au contact. Là, l'une des manœuvres les plus stupides de la matinée, j'étais parti pour le pousser, au dernier moment je me suis dit que ça ne servait à rien puisqu'on était en tête, je me suis décalé et je lui ai mis un bump qui lui a donné 10 mètres d'avance et il me faudra 2-3 tours pour recoller. Ici, mauvais timing ou mauvais choix de trajectoire, mais toujours est-il que je vais m'échouer sur Dorian qui reprend l'avantage. Tour suivant, à peu de choses près la même, sauf que là j'arrive à conserver à peu près ma vitesse. Dans la ligne droite, il est un peu plus rapide, j'imagine qu'il est plus léger, mais je suis bien placé à l'intérieur et donc j'arrive à passer devant. Ça me permet de gagner les courses et de remonter dans le bon groupe. Mais après, c'est un peu un triomphe sans gloire parce que c'était quand même un peu cheaté. Donc deuxième course, je me retrouve à partir de 10ème, un truc comme ça. Il se trouve que j'ai à nouveau pêché un bon kart, c'est pas le même. Il est un tout petit peu moins puissant, mais largement au-dessus de la moyenne des autres, comme on va le voir. Donc évidemment, le départ est quand même très serré.
J'essaye de rester prudent, mais déjà là, la puissance de mon kart me met dans une situation un peu inconfortable. Je me retrouve au milieu de piste. Je pousse Damien sur le côté. Donc voilà, c'est très serré, ça joue des coudes. C'est en Dax. Michel a un kart qui est devant moi, il a un kart beaucoup moins puissant. Mais déjà, ça me stresse parce que je sais que même avec un kart plus lent que les autres, Michel est toujours capable de bloquer le passage. On a vu qu'il a fait un dépassement audacieux, mais réussi. Dans la ligne droite, évidemment, avec mon moteur plus puissant, j'arrive à me porter à peu près à la hauteur, mais je suis pas trop à l'aise. Je préfère m'écarter, éviter d'être dans le paquet avec eux. J'avais perdu un petit peu de terrain au cours du tour précédent, mais on a vu aussi comment je revenais fort. À ce moment-là, j'ai à peu près pris mes marques avec le kart, donc je citais un peu différent de celui que j'avais en première manche, puisque là, notamment, il y avait assez peu de train avant. Mais bon, c'était gérable. Et donc là, je vais commencer à me retrouver un peu collé derrière un certain nombre d'autres pilotes. Et ça va me stresser pas mal, puisque évidemment, il y a du monde derrière. Et à partir de là, ma patience va malheureusement commencer à décliner. Il s'en est fallu de peu pour que je mette un énorme push à Fred. Il a fallu se mettre debout sur le frein. Et au virage suivant, c'est un peu juste, mais j'arrive à passer sans trop de casse. Et je me retrouve à pousser Michel et Guillaume qui se sont un peu accrochés. Là, j'ai à peine touché Michel qui avait déjà un peu commencé son virage, donc ça a fait un truc un peu chelou. Mais il est toujours juste derrière moi. Donc je me retrouve derrière Guillaume qui a pas l'air non plus d'avoir pêché une Ferrari là. J'ai l'impression qu'il a aussi quelques difficultés avec son châssis. Je le passe quasiment à l'arraché, sauf que il y a la trajectoire intérieure. Donc il reste devant, sauf que là, voilà, on voit qu'il galère quand même avec son châssis, donc ça m'a bien ralenti. Et je suis déjà attaqué. Heureusement, j'arrive cette fois-ci à m'en sortir. Et puis Guillaume me protège quand même très bien, donc j'ai pas beaucoup, voire pas du tout de solution. Là, je me suis fait push. C'est pour ça que je me suis retrouvé à moitié dans Guillaume. Heureusement, pas de conséquences. Et là, c'est pareil. On voit qu'il galère, qu'il glisse pas mal. Donc il se retrouve en plein milieu, un peu à l'arrêt. Ce qui permet au pilote derrière de bien, bien, bien nous coller. Et là, je m'écarte légèrement de l'intérieur, ce qui permet à Nicolas, pas le même que tout à l'heure, de passer. Alors dans la bataille, je me suis fait un petit peu écarter et j'ai perdu du temps, ce qui permet à Michel lui aussi de repasser. Donc super, alors que j'étais en train de pousser Guillaume, j'arrive à perdre deux places. Et je suis talonné par Damien, je pense, à ce moment-là, qui doit être derrière moi. Mais je me retrouve encore une fois à pousser Michel. Donc là, voilà. Tous les ingrédients du drame ultérieur sont réunis. Là, on a vu Michel qui a essayé de faire un intérieur à Nico. Résultat des courses, il se retrouve en travers du chemin, un peu arrêté aussi. Donc, je perds un peu ma concentration. Je laisse deux autoroutes qui permettent à Damien de me passer tranquillement. Donc là, je suis un peu agacé. Je vais essayer de regagner ma position tout de suite. Pas trop sale, mais enfin, ça ne témoignait pas d'une grande patience. Là, je sais qu'il est à l'intérieur, donc je laisse la place. Et voilà, il y a Michel qui s'est un peu frité avec Nicolas, puis avec Damien. Toujours est-il que j'en fais aussi les frais.
une tentative de Michel encore à l'intérieur, qui met carte de lattrage. On perd encore un petit peu de terrain. Là, ça commence un peu à chauffer dans le casque parce que je suis assez frustré de perdre des positions sans arrêt alors que j'ai a priori un bien meilleur carte que les autres. On vient de voir que j'avais dû freiner dans le droit pour éviter d'emplafonner Nicolas. Donc là, c'est pareil, je le colle, mais je trouve pas la solution. Tout à l'heure, j'essaye de reproduire le même dépassement que j'ai fait avec Damien. Sauf que, voilà, on voit Nicolas, il a réussi à super bien résister à l'intérieur. Et évidemment, Michel profite de la manœuvre. À ce moment-là, je me rappelle d'une ancienne vidéo de Damien où justement Michel avait bouché toute la course justement sur ce circuit. Donc là, il faut que je le dépasse coûte que coûte. C'est ce que je me dis en tout cas. À la base, le but était uniquement de dépasser Michel. Sauf que là, Nicolas est sorti de mon champ de vision et j'ai l'impression, fausse, d'avoir un boulevard qui s'est ouvert devant moi. Donc je reste soudé. Là, je suis un peu sonné. Je cherche Damien du regard, je le vois pas. Je me dis qu'il est peut-être trop parti sans que je le voie. Mais voilà, là, je l'aperçois dans les arbres. Donc même en faisant exprès, je pense que j'aurais difficilement pu faire pire. Encore désolé Damien. Après ça, je suis rentré chez moi.